Déportation Jonas Simaoka, mesdames et messieurs, que nous tous connaissons, il y en a qui dénonce bandits en pile, il y en a qui toujours mettent gros dossiers dehors. Et bien, je dis là, immigration dans le pays, c'est domaine, fouquet monsieur, et bien, vous voyez monsieur Haïti. Pourquoi n'a parlé là, nous pas connaît qui côté Jonas Kachikol, là nous connaît qualité ennemi que Jonas lui-même lui créé, surtout, là la baie information des gangs. Et bien, je dis là, un pile monde qui est sauté pour Jonas Simaoka, est-ce que, eh bien, on mal capable de arriver, Jonas, personne pas connaît. Parce que je dis là, un pile nèg, un pile bandit, mesdames et messieurs, si nèg ça rejoint Jonas, nous pas besoin de dire qui ça, eh bien, il a fait Jonas passer. C'est tout le monde connaît Jonas, monsieur qui est un pile ennemi. Donc il y a une question de dénoncer gang dans le pays d'Haïti. Et ce n'est pas non seulement gang, il y a un pile autre politicien qui n'a confié à gang. Et monsieur toujours met dossier ça au dehors. Et bien après déportation, monsieur là, qui ça va passer? Est-ce que Jonas Simaoka en sécurité? Donc nous ne connaissons pas. Et dans la vidéo ça, nous allons inviter à gagner plus de détails concernant le dossier ça. Dossier trafic organe dans le pays d'Haïti, eh ben, c'est un véritable cauchemar pour le commissaire Gauthier après le taf une vidéo à terre. Eh ben, il y a un monde qui est impliqué dans le dossier trafic organe dans le pays. Ya. Eh ben, nèg DCPJ, il y a fouqué monsieur, il y a remplacé monsieur sans que monsieur beaucoup même passer devant juge instruction. Eh ben, je dis là, il faut que nous nous dossier trafic organe, nous voyons comment l'État impliqué là-dedans. Parce que si monsieur vide, on moun à terre qui se, yon nan moun ki nan trafic organe dans le pays, et puis pour nous arrêter, nèg la pour ça, eh bien, tout moun ouè à clair, mesdames et messieurs, nèg nan pouvoir, nèg yon impliqué dans le dossier trafic organe. Pas qu'elle jeune femme, jeune garçon a disparaître, personne pas connaît qui côté yon est, ni yon pas mandé rançon, par un téléphone qui sonne pour bandit à mandé rançon, c'est seulement moun a disparaître. Mon a disparu franchement son bagage tête chargée qui a passé dans le pays d'Haïti que son trafic organe ça. Et bien, nous allons inviter à tout détail dans la vidéo. Ça, restez connectés là tout. De longue portée que vous êtes capable de faire, gagner de. Pour nous parler de détails tout à l'heure, parce que dans l'analyse, on va gagner pour nous plus de détails sur ça. Voilà, monsieur, eh bien, à l'entrée directement, mesdames, messieurs, et dans le cadre à Jonas, nous connaissons qui a vivre, qui t'a vivre Saint-Domingue. Eh bien, oui, immigration, à peine près, monsieur, là, ça n'a pas fait trop longtemps quand même. Est-ce que vous avez plus de détails sur ça, monsieur? Eh bien, dis-moi un peu de l'information. Gustave Jonas, un peu le monde connaît, mais qui lui-même, depuis bien avant, il y a l'autre blogueur qui a parlé des bandits, qui a dénoncé les bandits dans le cas d'actualité, actualité et insécurité. Gustave Jonas, malheureusement, immigration dominicaine, dans le cadre de vagues déportations, il a finalement mis les mains sur Gustave Jonas. Gustave Jonas, on n'a pas là, qui t'a déjà sous sol là, qui t'a déjà arrivé en Haïti. Et bien, côté qui a pile inquiétude par rapport avec dénonciation, qu'est-ce qu'on a fait par rapport avec Jackson Bandio, Gustave Jonas, qui actuellement jeune déportation par autorité dominicaine, donc qui finalement déporté dans le pays d'Haïti. Et déjà, dit en pile inquiétude, et bien, je crois qu'il y a plus le monde qui est Gustave Jonas, qui est bien avant qu'on a parlé de Jackson Bandio dans différentes zones. Divers quartiers, malheureusement, il est déporté. Bon, quand même, il vient dans le pays, nous souhaitons que il va évoluer en toute sécurité, même qu'on est comment à lui. Bon, et bon, moi-même, pas dit que monsieur en sécurité, parce que, mesdames, messieurs, tout le monde connaît les jeunes gars sont ça. Et monsieur, son nez qui était toujours là, il y a sans filtre. Et monsieur, c'est un nez qui était a attaqué bandit, là, par à peu près là. C'est toujours à dénoncer monsieur ça, aujourd'hui, là. Et le fait que l'immigration déporte, c'est sur certains, moi-même, comme jeune, m'a plus inquiété pour Jonas, même là que nous ne connaissons pas. Mais d'abord, soit haïtien, monsieur, t'as fait un travail. Côté d'accord, qu'on pas d'accord, mais travail, t'as fait, t'as dénoncé une équipe de gang. Et puis, nez, ça, soit équipe requin, oui, ça fait longtemps. Tant y a menacé Jonas tout le temps sur le réseau, y a toujours menacé monsieur. Je dis à la, bon, et nous pas connaît exactement. Bon, nous pas capable de confirmer est-ce que monsieur est rentré à Haïti ou pas. Mais c'est l'immigration dominicaine qui prend monsieur. Mais en même temps, je vais poser une question. Comment fait Jonas à dénoncer gang, à dénoncer bandit pour faire erreur amateur ça, monsieur? Pour pas de gâte à bientôt légal, pour pas de gâte à arrangeo pour quitter sa rivaux. C'est pas je dis à l'égo à menacer monsieur pour tout là. Tout le temps, il a subi menace, même en direct. Et c'est sûr, c'était bon. Là, je connais un peu le monde qui a attendu ça. Qui est inquiet parce que techniquement, et moi, je n'ai pas souhaité en arriver, monsieur. Qu'on y a là, qui ça peut passer avec nous, c'est ça. Parce que, Negio, c'est pour jamais, monsieur Sao, soif et Jonas. Par contre, c'est ça, et Richard. Bon, dis-moi, comment est-ce que vous dites, professeur, tout de suite, comment est-ce que vous dites là, pour qui ça, monsieur, pas de par Angel, par rapport avec dénonciation la paix et contre bandit Améo? Alors, tout à ce moment-là,
pas aucun haïtien qui est légal en République dominicaine. Et visa, quel est visa touriste, visa, visa travailleur, et visa ça y est, pas renouvelé encore. Et qu'on y a là, tout haïtien qui est en République dominicaine, c'est en situation irrégulière. Donc, il va pas gagner le café depuis un an avec vous. Même si vous avez un passeport dans le monde, a fait visa tout, qui, depuis bien, depuis plusieurs mois, il n'y a pas de visa encore. Il n'y a pas renouvelé visa encore. Il n'y a pas de bonne visa encore. Donc, ça veut dire que tout a été illégal. Au moment où il n'y a pas là, avec une politique anti-haïtien. Et nous avons dit qu'on va appliquer à la République dominicaine avec la réélection de Luis Abinader à la tête du pays. Eh bien, Dieu n'a pas avancé avec information. Nous parlons de ces dossiers insécurité. Au moment où il n'y a pas là, nous connaissons commune Kaba, depuis après arrestation et Livenson Gauthier, commissaire police Kaba. Mais pour le moment, on n'a pas eu l'an, comme une tabac, il est devenu un centre de théâtre, un côté en pile coup de balle à tirer. Et bien, côté que tout, il y a une actualité qui est relative avec caoutchouc qui a boulé zone ambassade américaine. C'est suite avec le mouvement de protestation pour la population américaine qui a fait. Mais ça qui vient générer, en pile tirer, la police qui a essayé et affronter avec M. Bandio. Donc, par contre, est-ce que c'est parce que la police a arrêté le commissaire et puis Bandio a eu le champ libre devant eux. Mais pour le moment, on n'a pas eu l'an. Martin là, Dimi, c'est un pulsé qui est dans la commune Tabar, coup de balle, c'est quelqu'un, et on part tout dans la commune quoi des bouquets. Donc, nous gagnons extrait l'audio là, qui est justifié côté que, monsieur même lui a frappé, et qui parlait de justement la population qui a même décidé à protester quand tu as boulé tout près devant l'ambassade américaine. Donc, encore une fois, ça sont l'autre type de protestation de la population montée qui n'est pas oublié. Je parlais des implications. Ambassade américaine qui t'a passé commande pour t'arrêter commissaire Livenson Gauthier suite avec côté où t'a reproché il était participé dans assassiné un trafiquant de drogue un trafiquant organe et bien qui lui-même était dans mort tout près l'hôpital petit président là population fâchée yo boudé ça veut dire actuellement en commune Tabar il vient dans une scène de théâtre côté que coup de balle tiré et on partit la population même il a manifesté tout près ambassade américaine moment n'a parlé là dit il a frappé. Là-bas, le commissaire Gauthier était venu à l'arrestation du bas de CPJ parce qu'il fait connaître que monsieur était tué monde, ou bien, oui, son bas est conservé, qu'il a dit monsieur était tué un gros monde, le bas monde, ça a gros nom, dans la zone nord. Mais par la suite, la population vient faire nous connaître que monde va dire que monsieur était figé, c'est un monde qui est un trafic en droit. Bon, il y a un pile monde qui est levé là, fait manifestation, conférence de presse, rapport de libération, monsieur. Bon, nous avons beaucoup de coups qui étaient du libéré. Après, nous venons connaître, c'est pas de vrai, c'est pas de jambes libérées, vraiment, vous, c'est toujours le même nom. Malgré le dossier, ça a transféré l'inspection générale, la police. Bon, nous pouvons connaître qui m'a suivi à pied. Bon, jusqu'à présent, monsieur, dans le même nom, il y a beaucoup de jambes libérées. Mais, mon tabac même dit, c'est grâce à monsieur qui fait, qui zone ça, il n'est pas pour venir dans le même nom. Il m'a dit, le libéré, monsieur, il vient encore. Mon qui a dit que monsieur était tiré, son monde qui était dans le trafic d'organes, et ça fait jusqu'à présent, pas jambes, les bails, non, mon par exemple, il y a des gens qui est ce monde, ça a dit que c'était figé. Bon, en tout cas, mon tabac lui-même, ça a besoin, c'est libération, monsieur, parce que vous croyez que monsieur, c'est un monde qui est bon, qui est des communes, qui connaît des communes. Mais, dans le même sens, ça a toujours, il semble qu'il y ait l'autre bail qui tout profite qu'à payer là, côté bandit, vrai gars, et vrai grand zone dans tout, la voisine est tout profité. Là, tout est connu avec mon nom, avec mon Dieu qui voulait envahir. Oui. Judas, ça qui est dans les noms, vous regardez, nous sommes soi-disant trafiquants et organes qui t'ajoutent la molle, ou à quelle velléité, à quel niveau de velléité, de façon énergique, vous passez l'ordre pour arrêter le commissaire là. Donc, ce qu'on a fait, c'est comprendre tout, et bien, dans ce trafic d'organes, ça, vous ne pouvez pas dans le pays, comment vous avez une pile d'importance dans une série d'instances dans le pays, qui est quelle est l'ambassade, qui est en pile de rive, vous même acquisé. Que nous-mêmes nous pas arrivé prouver ça, mais quand même, il y a pile zangui sous gauche, côté que, pour les assemblements, les libérations du commissaire Gauthier, et on l'autre côté tout, nous avons caoutchouc à bouler tout près l'ambassade là. Sous qui ça va déboucher, il reste à suivre.